みたいな感じで。 Identifiez la présentation par le siège lorsque le fessier se présente avant la tête dans le canal pelvigénital. Les praticiens expérimentés peuvent accoucher certains bébés en siège complet ou décomplété. Préparez un linge ou une serviette chirurgicale ainsi que tous les autres instruments nécessaires à un accouchement classique. Préparez-vous également en cas d'échec de l'accouchement vaginal. Cette position s'appelle le siège décomplété. Cette position s'appelle le siège complet. Et cette position s'appelle le siège semi-complet. Laissez la mère fournir l'effort pour expulser le nourrisson jusqu'à l'ombilic, si possible sans le toucher. Préparez-vous à une compression du cordon ombilical et à de possibles ralentissements du rythme cardiaque du nourrisson. Pour dégager une jambe, amenez l'une des cuisses à la parallèle du fémur et balayez la cuisse de manière latérale. recommencer la manœuvre pour dégager l'autre jambe. Enroulez le nourrisson dans une serviette, en veillant à placer vos doigts sur l'épine iliaque antéro-supérieure et vos pouces sur le sacrum. Aidez la patiente dans son effort pendant les contractions en tirant délicatement le nourrisson afin de le dégager jusqu'aux omoplates. Effectuez un mouvement de rotation pour amener une épaule en position antérieure. Dégagez le bras antérieur en l'amenant au niveau du thorax. Effectuez de nouveau un mouvement de rotation à 180 degrés. Dégagez le bras désormais en position antérieure de la même manière que l'autre bras. Remontez la serviette pour couvrir les bras et effectuez une autre rotation pour placer le dos en position antérieure. Pour dégager la tête, placez l'index et le majeur d'une main sur le maxillaire du nourrisson pour obtenir une flexion de la tête, tandis que son corps est placé sur la paume de votre main et votre avant-bras. Avec votre autre main, attrapez le cou de l'enfant à deux doigts, puis son épaule, et exercez une légère traction vers le bas. Une pression suprapubienne pourra être exercée par un assistant afin de maintenir l'affection de la tête et faciliter son dégagement.